avec des sculptures de livres là. Ouais. Ça c'est beau. Brojne knjige, nebrojeni tekstovi i masa sledbenika koja već izaziva nesporazume vezuju se za ime Žana Bodrijara. Čitaoci, fascinirani njegovim jeretičkim modelom mišljenja, govore i pišu bodrijarovskim žargonom, dok su drugi, nastrojeni kritički, sve do odbacivanja. Žan Bodrijar, sociolog, filozof kulture, kritičar medija, teoretičar postmoderne, rođen je 1929. Godine u Reimsu u Francuskoj. Sin državnog službenika i unuk farmera postaće kultna ličnost svetske intelektualne scene na prelazu dva veka. Njegove knjige prevedene su širom planete, na gotovo sve jezike sveta. Najznačajniji kod nas prevedeni naslovi su Simbolička razmena i smrt, Simulakrum i simulacija, Fatalne strategije, Prozirnost zla, Savršen zločin, O zavođenju, Drugo od istoga, Amerika, Cool Memories, Iluzija kraja. Nekadašnji profesor sociologije na Univerzitetu u Nanteru, danas je predavač filozofije kulture na Evropskoj školi za postdiplomce u Saspeu u Švajcarskoj. Vous avez traversé, je dirais, toutes les grandes expériences intellectuelles et politiques du XXe siècle. À vos débuts, vous étiez un sociologue assez proche du marxisme. Aujourd'hui, on vous appelle un philosophe des médias, aussi un philosophe postmoderne. Alors, comment se fait ce transfert, ce passage du marxisme à la pensée postmoderne? Oui, enfin, il y a eu une évolution, c'est sûr. Il n'y a pas eu une révolution, hein. Ça n'a pas été une mutation. On est passé, comme toute ma génération pratiquement, hein, on est passé de la pensée critique. Entre Sartre et le marxisme, hein, c'était un marxisme un peu sartrien quand même, hein, un peu existentialiste, un peu tout ça. Puis après, alors est arrivé autre chose, la psychanalyse, la sémiologie, Bartre, Lombard, ça a été très important tout ça. Donc on s'est un peu détaché effectivement de l'analyse marxiste, comme ça, pur et dur. Bon, il y avait un engagement politique quand même au moment de la guerre d'Algérie, tout ça a joué aussi. Donc, et puis tout ça a pris fin un peu. Et ça a plutôt été la période, à ce moment-là, pré-68, enfin, la décade avant 68, quoi. Moi, je suis arrivé à l'université en tant que sociologue, mais enfin, je n'étais pas sociologue de vocation ni de naissance, j'étais plutôt philosophe, quand même, c'est certain. Avec tous les premiers livres, quand même, qui utilisaient bien l'analyse marxiste, psychanalytique, sémiologique, etc. Et puis après, tout ça, moi, je suis un peu passé à travers, quoi. Après, ça devient franchement transversal. Est-ce que une sorte de désillusion avec le mouvement des années 60 vous a amené vers une sorte de pensée postmoderne? Oh, le postmoderne, il n'est pas venu d'ici, hein. Il est venu d'Amérique. Enfin, moi, je l'ai rencontré quand je suis allé en Amérique et il m'a rencontré plutôt. C'est plutôt le concept de postmoderne qui nous a pris un peu en otage, hein. On a été pris un peu en otage. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les années 60, au contraire, ça a été un mouvement ascendant, hein. Là, ce n'était pas une déception, au contraire, on était en pleine ascendance, il y avait un débat intellectuel en France tout à fait passionnant. C'est plutôt après 68, dans les années 70, que bon, tout ça s'est un peu évanoui et que là, chacun a repris un peu, comment dire, repris ses billes, repris son autonomie, et puis le grand mouvement était passé, quoi. Alors ça, il y a eu une déception, forcément. Teoretičar svetske situacije uvodi pojam simulacije i simulakruma kao ključni pojam svoje teorije. Simulacija je proizvod aparature razuma, a simulakrumi, aparati za proizvodnju realnog sveta, za proizvodnju značenja i onda kada ih više nema. Poput medijskih inscenacija ratova i političkih kriza, poput modernih supermarketa, sve se pretvara u robu. Suština stvari je u njihovoj izloženosti, serijalnosti, spektakularnosti. Po Bodrijaru, aktuelni fenomeni u svetu predstavljaju savršen zločin u kome se ubija realnost, a ono što se samom filozofu pripisuje kao zločin ili jeres, jeste strategija odbacivanja kritičkog mišljenja zapadnjačke filozofije, inače ponosnog proizvoda prosvjetiteljstva i evropskog humanizma, u ime takozvanog
radikalnog mišljenja. Vous mettez en question tout. Donc tout ce qui était la pensée théorique occidentale, la, oui, la vérité, la oui, réalité, oui, le sens, oui, oui. Alors vous supprimez tout? Non, le grand, oui, la fracture véritablement, qui est aussi un peu un sacrilège, ça a été en effet la coupure avec la pensée critique, enfin la pensée analytique, et tout ce qui avait été quand même la grande période, hein, y compris marxiste, hein, bien entendu. Alors là, le passage au-delà de la pensée critique, dans ce que j'appelle une pensée radicale, paradoxale, ironique et tout, ça a été une autre chose, bien entendu. Et là, je me suis aliéné beaucoup de mes lecteurs, beaucoup de mon public qui n'a pas bien compris ça. Et là, il y a eu des malentendus, il y a eu beaucoup de malentendus. Et alors est venu ça. S'ajouter cette appellation postmoderne et tout, qui a tout brouillé en fait, quoi. Parce que alors là, on se dit, bon, il est postmoderne, il y a le label postmoderne, et on ne s'interroge plus du tout sur ce qui bouge là, dans cette histoire-là, quoi. Mais vos critiques, on vous dit nihiliste, on vous dit conservateur. Ah oui, on m'a appelé réactionnaire et tout, j'ai passé pour fasciste à partir du moment. Pour négationniste, c'est un terme qu'on a en France, je ne sais pas si vous. Négationniste, ceux qui nient la réalité des camps d'extermination, par exemple. Alors, c'est un concept plus vaste. Dès qu'on nie l'existence réelle de quelque chose, ou qu'on la met en doute, on devient négationniste. Alors moi, comme je mets en doute toute la réalité, le principe même de réalité, là, je suis un négationniste. Donc, vous mettez en question le principe de la réalité, alors on vit tout dans une fausse réalité, dans le virtuel. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Quelles sont ces petites parcelles de réalité? Est-ce qu'il nous reste quelque chose? Ah oui, oui, non, rien, moi je ne suis pas du tout. Non, la réalité, ce que je mets en doute, enfin analyser, c'est le principe de réalité, c'est-à-dire la réalité objective, hein, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des choses vraies, indubitables, etc. Ça, je pense que non. Mais c'est le principe qui disparaît. Les choses telles qu'elles sont, elles existent, hein, je ne suis pas assez absurde au point de dire ça n'existe plus. Ça existe, mais ça n'a plus de principe de vérité ou de réalité pour exister. Donc à partir de là, on est effectivement dans un grand jeu, mais toutes les possibilités sont ouvertes. Hein, mais quelque chose résiste, à mon avis, à cette disparition, mais qui est de l'ordre de non plus de la valeur, de la vérité, etc., mais de... Je dirais la singularité, c'est-à-dire la spécificité vraiment. Et celle-là, elle peut être individuelle, ça peut être votre existence individuelle, ou elle peut être dans les grands mouvements ou les événements collectifs. Bon, le 11 septembre, par exemple, pour moi, c'est un événement crucial, vraiment capital, et c'est un événement singulier, c'est une singularité. Alors, est-ce que c'est réel ou pas réel? Ce qu'il y a, c'est qu'on a affaire avec ça. C'est là qu'est en effet le... Comment le maximum de problèmes, quoi, de la mise en jeu, effectivement, de tout ce monde qu'on croyait réel, moderne, en progrès, le progrès historique, tout ça, ça a quand même été remis en cause, pas par moi, hein, par l'événement lui-même, par la vie. Donc moi, j'ai l'impression d'être simplement au fil de, bon, d'une réalité véritable, je dirais, mais qui n'est pas... celle qu'on donne d'habitude à consommer sous forme de réalité. Alors celle-là, elle est devenue quoi, cette réalité-là? Elle est devenue, en effet, ce qu'il en reste, c'est la banalité absolue. Banalnost danas caruje našim životima, smatra Baudrillard. Mi više nismo u drami alijenacije, mi smo u ekstazi komunikacije, piše u studiji drugo od istoga. Danas postoji čitava pornografija informisanja i komuniciranja, pornografija električnih kola i mreža. To više nije opstenost nečega što je skriveno, to je opstenost nečega što nema više tajni. Vous parlez de toute une pornographie, de système d'information, de communication. Alors pourquoi le terme de pornographie? Voilà, dans la pornographie, par exemple, le corps ou la sexualité est donné comme à l'état brut, je veux dire, sans plus du tout de séduction ou de bon ou d'imagination, etc. C'est la matérialité même des choses qu'on prend pour la réalité la plus réelle qui soit, hein, puisque là, le corps est là sans rien d'autre, sans discours, sans métaphore, sans rien. Or ça, oui, moi je pense que alors là, on est dans une banalité effrayante, c'est-à-dire c'est à la fois la présence absolue de, bon, dans ce registre-là, de la sexualité, du corps, et en même temps, c'est son irréalité totale. Hein, c'est-à-dire que,
bon, sans séduction, c'est-à-dire sans le regard, sans le jugement, sans la métaphore, des tas de choses comme ça, sans une relation duelle même entre... Hein, bon, il n'y a pas du tout de vérité du corps, de vérité du sexe, ces choses-là. Donc ça, c'est une critique, effectivement, de ce qui se donne pour l'évidence et qui ne l'est pas du tout. Alors à la place, ce qui a pris la place, ben, c'est cette banalité, oui, qu'on peut... Je dis elle est obscène parce qu'elle elle se donne à consommer comme ça, totalement, immédiatement et tout. Et ça, bon, je trouve ça, disons, le... Oui, ce n'est même plus un jeu, hein, c'est véritablement d'un sérieux mortel, d'une certaine façon. Et puis bon, à travers les médias, tout ça, c'est vrai que ce qui nous guette quand même, c'est la banalisation totale. Et la banalisation, c'est vraiment la réalisation de tous les désirs. Enfin, notre banalité, c'est ça, c'est un monde dont on dit, ben, tout est permis, toutes les possibilités sont ouvertes, vous pouvez prendre n'importe quelle identité à travers Internet et tout, vous pouvez jouer avec toutes les identités, tous les désirs sont réalisables, tous les besoins sont satisfaits, enfin, virtuellement, hein. Enfin, ça fait rien. Eh bien, ça, c'est la banalité totale, quoi. Alors, c'est évidemment, on n'est pas très loin de ce que Marcuse décrivait comme le monde unidimensionnel, par exemple. Hein, on a perdu un peu la troisième dimension, peut-être la deuxième aussi. On n'est plus dans une espèce de dimension totale, comme ça, où tout est à plat, tout est là, tout est disponible. Mais voilà, c'est comme l'information. Bon, on a toute l'information disponible, avec 150 chaînes de télévision, qu'importe et tout, et on est réduit, alors bon, il y a une espèce de visibilité totale, et en même temps, on n'y voit plus rien, quoi, évidemment. Hein, il y en a trop. Oui, l'obscénité, ça serait ça, plutôt, ça serait le trop. Il y a trop d'informations, il y a trop de communications, il y a trop de produits matériels, il y a, enfin, il y a tout, il y a trop de tout, quoi. À l'opposition de ce trop, il y a le secret. Donc vous êtes un philosophe du secret, voilà, la séduction, vous dites que la séduction est la dynamique élémentaire de notre monde. Pouvez-vous l'expliquer? Enfin, aujourd'hui, malheureusement, non, parce que c'est plutôt en voie de disparition, la séduction. Mais qu'est-ce que vous entendez par la séduction? Ah ben moi j'entends la séduction, alors quelque chose d'autre que justement le pur accomplissement des choses, non. C'est un jeu duel d'ailleurs. En plus, moi je pense toujours que la séduction c'est aussi une forme de défis, de relations antagonistes et tout, il y a tout un jeu comme ça. Bon, séduire, c'est pas du tout, justement, c'est pas du tout aller à l'accomplissement du désir, c'est un grand jeu, quoi. Et là, il peut être non seulement dans le domaine de la sexualité, mais dans toutes les relations comme ça. Or ça, de plus en plus, non, on est, on va directement à l'objectif, hein, c'est la performance. Alors la performance, il n'y a rien de plus opposé à la séduction, hein. Séduction, on est hors du temps, ça peut durer longtemps, il y a du secret, effectivement. Le secret, c'est quand même le point stratégique, quoi. Alors, dans notre monde, cet univers-là, bon, qui marche à la séduction, mais à une séduction vulgaire, alors la manipulation, hein, à travers les signes, bon, ça, d'accord, on l'a décrit, mais là, c'est pas la séduction, celle du secret, celle d'un échange duel, symbolique et tout ça. Évidemment, moi, je passe plutôt pour l'homme. Enfin, l'homme, je sais pas, enfin, l'analyste des simulacres, des virtuels, du système, quoi, finalement. Et donc, on me prend pour une sorte de défense et illustration du système. Alors que moi, ce à quoi je tiens, ce pourquoi j'écris ou je fais des choses, c'est l'autre sens, c'est la séduction, c'est le secret, ça peut être la mort aussi, c'est pas forcément... séduisant au sens facile du terme, mais enfin, c'est toujours quelque chose qui passe par un discours, par une forme, en tout cas une forme, hein, celle de l'écriture aussi. Vous empruntez un langage très poétique pour écrire sur notre monde, et si, je fais une sorte de liste de votre vocabulaire, des mots que vous employez, selon le mot sauvage, primitif, exotique, secret, séduction, destin. Mais c'est vrai que moi j'ai une sorte de vocabulaire ou de paradigme comme ça. Illusion radicale. Oui, illusion. Oui. Bah, y a toujours une part de paradoxe, d'illusion. Ben oui, je pense que toutes ces choses qui ont été sacrifiées, enfin, que ce soit le rêve, l'utopie, le désir au sens de l'illusion, etc. Oui, moi, c'est là où je... Bon, c'est là la nébuleuse, enfin, la sphère
où j'essaie d'être, effectivement. Donc là, je suis toujours en contre-champ de la réalité, effectivement. On ne pourrait pas me faire un lexique, moi, de type réaliste, explicatif. Non, effectivement pas. Mais il ne faut pas non plus, généraliser. Bon, je ne suis pas non plus, je suis pas rêveur, hein. Je suis peut-être un peu mélancolique, bon, d'accord, mais ça, c'est, la mélancolie, c'est une qualité, je pense, hein, pas nostalgique, mélancolique plutôt, d'ailleurs. Mais ça fait partie de la... Oui, il y a un objet perdu, quelque part, ça, c'est clair, hein, que ce soit la réalité, la séduction, tout ça, il y a de l'objet perdu. Donc, il y a forcément une espèce de mélancolie, hein, c'est sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que la mélancolie, il y a un art d'être mélancolique, quoi, comme il y a un art de disparaître. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, y compris pour le langage, je veux dire. Il faut arriver à parler de telle façon qu'effectivement, à la fin, alors peut-être ça déconcerte le lecteur, mais à la fin, oui, il n'y a plus de traces, quoi. Ça efface en même temps les traces. Ça dit quelque chose, mais ça l'efface aussi en même temps. Vous jouez... Apparition, disparition. Oui, ça, je crois que ça fait partie du charme discret, quand même, du langage, quoi. Čini se da se Baudrillard pridružio konzervativnim tumačima umetnosti i sveta, kada se prezrivo obraća postmodernoj proizvodnji umetnosti. U tekstu Art i artefakt, umetnost posmatra kao puki jezik banalnosti. Moderno slikarstvo po njemu poriče samo slikanje u ime instalacije i performansa, a pozorište odbija da predstavlja život. Danas ostaje samo crna kutija koda, nova figuracija, hiperrealizam, neogeoumetnost, koji po Baudrillardu banalnim slikama oblikuju našu društvenu praksu bez estetskih kvaliteta. Inače, kao nekom paradoksalnom igrom slučaja, Baudrillardova filozofija simulacije i simulakruma poslužila je kao inspiracija savremenom američkom filmu i okrenula se protiv svojih premisa i svog autora. On a même comparé votre philosophie au film Matrix. Bon, qu'il y ait de la simulation là-dedans, je veux bien, mais justement, elle est complètement, comment je veux dire, techniquement réalisée. On la donne à voir, elle est réalisée. Il n'y a plus de secret là-dedans, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de séduction du tout. Tout est techniquement là, et donc c'est à contresens total par rapport à ce que j'entendrais, moi, pardon, que Matrix, moi, je veux bien le voir, hein, je l'ai vu, c'est pas un problème. Si on veut me prendre pour référence, on a le droit de tout faire. Moi, j'ai pas de domaine réservé. Mais enfin, là, c'était une pure confusion, exagération. Alors, qu'il y ait un rapport, mais il est beaucoup plus subtil que ça, entre la réalité et le simulacre. Bon, c'est vrai qu'on est en perte de réalité partout, hein, même ceux qui y croient, ils se disent, bon, est-ce qu'on est dans un monde réel? Sommes-nous encore dans la réalité? Partout, c'est l'interrogation. Mais il y a des réponses à ça qui sont quand même plus subtiles que Matrix. Bon, si vous avez vu un film comme Mulholland Drive, par exemple, bon, alors là, on a affaire vraiment à un cinéma qui est dans le secret, enfin, où il y a du trouble, où il y a de la séduction. On ne sait plus où on est, effectivement. La réalité est perdue, mais au profit d'une énigme, au profit d'un, bon, quelque chose d'autre. Tandis que dans Matrix, elle est simplement perdue, et au profit d'une technicité, des effets spéciaux, et tout ça. Bon, mais tout ça, c'est autre chose, quand même. Vous critiquez l'art contemporain, ah oui, vous parlez de la banalité de son langage. Oui, pour moi, dans la mesure où il se confond avec cette réalité-là, où il devient aussi, bon, il change continuellement, il est à la mode, enfin c'est une affaire de mode, de fluctuation, sans compter le marché de l'art. Mais esthétiquement parlant, je veux dire, on est effectivement dans une activité qui se confond avec la réalité telle qu'elle est devenue. Enfin, depuis que Duchamp a transposé sa fontaine aux musées, la banalité est devenue esthétique, évidemment, donc on a une esthétisation totale et une banalisation totale des choses. Et l'art contemporain me semble participer de ça. C'est pour ça, au sens où je dis il est nul, c'est-à-dire que dans son rapport à la réalité ou au secret, etc.,
l'équation est nulle, quoi. Le résultat, c'est zéro. Dans votre livre Amérique, vous avez pris Amérique comme exemple de quelque chose de primitif, d'astral. Vous avez parlé des déserts américains. Oui. Moi, l'Amérique, je l'ai écrit, le livre, avec, dans la plus grande, comment dire, admiration, en tout cas fascination. Hein. Ça a été vraiment le résultat. On a cru que c'était anti-américain, absolument pas, rigoureusement pas. Mais simplement, moi, pour moi, l'Amérique, c'était le désert, oui, en termes de travelling et tout, le désert géographique, mais le désert métaphorique, enfin, c'était un désert au sens où je le prenais comme un pays, oui, hors de la culture européenne, ailleurs, quoi. Et le pays où, d'une banalité effrayante, si on veut, mais là-bas, la banalité est originale. Elle est, je veux dire, elle est à l'origine. Hein. Elle est, comment je veux dire, elle est dans son... Oui, elle est née là-bas, en quelque sorte, et là-bas, c'est une sorte de paradis de la banalité. Donc, c'est quelque chose... La banalité, je dirais, c'est paradoxal, mais là-bas, elle est singulière. Hein, tandis que nous avons emprunté une espèce de banalité moderne ou post-moderne, en tout cas, mais qui va contre notre histoire, notre culture, etc. Là-bas, c'est cohérent. C'est le désert du réel. La société américaine, ce n'est pas une société de simulation par excellence? Oui, on est dans une forme de... Oui, puisque évidemment, tout ça, c'est un point technique de tout est fabriqué, tout est artefact, tout est animé artificiel. Bon, c'est Disneyland, hein, si on veut, c'est la société américaine. C'est Disneyland, d'accord. Mais au moins, c'est à l'état brut, je veux dire. C'est... Moi, quand on parlait de simulacre et de simulation, ici, c'est toujours un jeu, bon, ben... Bah, l'art, le théâtre, etc., c'est du simulacre aussi. C'est-à-dire, c'est un simulacre quand même qui peut être même poétique. Tandis que là-bas, c'est l'état primitif, c'est le simulacre à l'état primitif, sauvage. C'est pour ça que je disais, c'est une société primitive. Ça, les Américains n'ont pas aimé du tout, du tout. Ils ont été, oh oui, ils ont reçu très très mal le livre en général. Il a eu un grand succès, mais il a été reçu très 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 mal. Or, moi, c'était un livre tout à fait... Je ne dis pas que c'était un éloge de l'Amérique, non, bon, je ne vais pas en faire l'éloge, mais c'était une description admirative. Enfin, pour moi, c'était quand même justement ce qui me permettait d'avoir un contre-modèle total au modèle européen, hein, dont nous étions détachés critiquement, quoi. Il y avait toute une critique de cette culture, de la représentation. On a fait ça pendant 20 ans. Et là-bas, moi, je trouvais tout ça, au fond, réalisé, hyper réalisé. Hein, c'est l'hyper-réalité américaine. Historia, a ne sudbina, bila je u posljednjih nekoliko vekova garant smisla naše egzistencije. Danas iz nje su nestali događaji koji stvaraju vlastitu scenu i vlastitu dramaturgiju. Nestanak historijskog smisla, mnogobrojnih događaja, za mnoge je nagoveštaj kraja istorije, a za Baudrillarda, nagoveštaj kretanja istorije unazad. Eh ben, l'illusion de la fin, vous parlez de la fin, ou bien de son illusion de l'histoire. Alors, est-ce que nous sommes toujours dans l'histoire? Sommes-nous sortis de l'histoire? Est-ce que nous progressons? On est dans l'ombre, oui, justement dans une perpétuation, enfin, dans la foulée, par la force d'inertie, on est encore dans les séquelles de l'histoire. On est quand même encore dans l'illusion, parce qu'au fond, l'histoire... qu'est-ce que c'est? C'est quand même aussi un modèle, une construction, hein, idéologique, mentale. Bon, on a eu, nous, une histoire avec des siècles d'une continuité comme ça, avec une sorte de raison historique, et puis, ce qu'on espérait, une fin, hein, mais une finalité, vraiment. Oui, comme la résolution de toutes les conflits. Oui, la résolution de tous les conflits. Donc, marxisme, c'est mort. C'était ça, l'histoire, hein, oui. Quand même. L'histoire, il n'y a pas d'histoire sans cet espoir final, enfin, sans cette finalité. Les utopies, vous voulez dire? Oui, ben oui, les utopies, bon, alors, ça a tourné... L'utopie, ça doit être un mot qui vous plaît, utopie, ça, ben, oui. Ça m'a beaucoup plu, puisqu'on a même fait une revue qui s'appelait comme ça, quoi. Oui, au fond, il n'y avait pas d'histoire sans utopie, hein, et l'utopie aussi est un sous-produit de l'histoire, enfin, bon, il y avait une espèce de dialectique entre les deux. Et tout ça, c'est un petit peu, ça s'est fracturé, quand même, quoi. Et à un moment donné, bon, on a bien l'impression quand même... Je ne suis pas... Bon, l'histoire de Fukuyama, fin de l'histoire, de la façon dont il la présente, non, je ne pense pas que ce soit ça exactement.
Mais on a affaire à un autre type d'événement. On n'est plus dans des événements politiques, historiques qui se succèdent, enfin qui, etc. On est dans des types d'événements comme le 11 septembre et tout, qui sont vraiment des, plutôt des espèces de catastrophes plutôt que des événements historiques, quoi. Vous avez écrit de la grève des événements, et justement vous avez donné l'exemple de l'attentat de New York. Donc c'est le jour où cette grève est terminée. Mais alors qu'est-ce qui était avec le bombardement de la Serbie en 99? Est-ce que c'était un événement symbolique? Ben, c'était... Oui, enfin, non. C'est sûr que ça, ça rentre ça dans l'idée de la mondialisation, enfin de la globalisation et tout, et de l'entreprise globale, mondiale, de réduire toutes les singularités, enfin vraiment de faire table rase, hein, d'établir une espèce d'homogénéité de la puissance comme ça, une hégémonie, quoi. On est dans la phase hégémonique, on n'est plus exactement dans la phase d'une domination, bon, avec l'aliénation, etc., on est une phase hégémonique là où véritablement il faut que tout obéisse au même principe. Hein. Alors, dans ce sens-là, à mon avis, c'est la Serbie, ça faisait partie de la même chose. Hein. C'est-à-dire, il y avait à la fois, parce qu'il faut bien dire les choses, il y a eu quand même réduction de singularité violente de la part des Serbes sur d'autres, et réduction des Serbes, alors finalement liquidation aussi, par une puissance dite mondiale, une communauté internationale complètement virtuelle, bien entendu. Et donc ça, c'est un même processus qui est au-delà, effectivement, de l'histoire, qui est, à la limite, il faut effacer l'histoire et amener tout dans une forme d'échange, oui, de généralisé, c'est-à-dire que tout soit immédiatement négociable, qu'il y ait un marché universel des choses, quoi. Alors, dans ce sens-là, toutes ces guerres-là, bon, y compris celle d'Irak aussi, hein, tout ça rentre dans le même, pour moi, je veux dire, dans le même trajectoire d'une liquidation généralisée. On amène la démocratie, et vous aurez la démocratie, vous l'aurez à tout prix, même si vous n'en voulez pas. Et puis, donc c'est une dictature de la démocratie, un peu. Il faudra payer. Oui, c'est une forme, je dirais même, bon, c'est pas du terrorisme d'État, mais c'est presque ça, quoi. Mais alors, à un niveau planétaire, évidemment, à un niveau mondial, quoi. Ah non, tous ces termes-là, démocratie, droits de l'homme et tout, ça, il faut bien voir que on est instrumentalisé au profit de, bon, de ceux qui exercent cette puissance, qui d'ailleurs n'est... Bon, d'accord, il ne faut pas la confondre non plus avec les Américains et l'Amérique. Hein, la puissance mondiale, cette espèce de globalisation, tout le monde en est victime, y compris les Américains. Hein, faut pas exagérer. De même qu'il ne faut pas confondre... le terrorisme et l'islam, bon, alors là, on est, alors par contre, on peut dire qu'on est dans une forme terroriste, l'ensemble. Hein. Y a un terrorisme violent, spectaculaire, islamique, etc., mais il y a un terrorisme de l'autre côté aussi, terroriste de cette puissance mondiale, qui exerce la contre-terreur, une espèce de terreur blanche, enfin, on voit bien comment tout ça, c'est vraiment un rapport antagoniste. Mais ça, on peut les analyser comme négatives, alors effectivement, et d'ailleurs on les dénonce comme telles, mais on peut les analyser comme des formes de résistance, plus ou moins aveugle, effectivement, mais qui de toute façon, tout ce qui s'oppose à cette globalisation, à cet échange généralisé, pour moi c'est bon. Hein. Donc, y compris le non au référendum en France. Možda bismo neke njegove tekstove mogli nazvati oblikom političkog zavođenja, da nisu svojom šokantnošću razbudili i Srbe i svet. U tekstu Ne sažaljevajmo Sarajevo, branit će Srbe kritikujući ih. Šta je tu zločin, a šta simbolički čin, pitaće se. Ključno je da se ne može pričati o Sarajevu, a da se ne govori o Evropi, smatra Baudrillard. Dites plutôt que vous êtes un intellectuel dégagé. Alors, que vous entendez par ça? Oh, ben, au sens où moi, je ne... Bon, à ce moment-là, j'ai écrit un certain nombre de choses, comme ça, sur Sarajevo et tout ça. Mais ça n'était pas... Moi, je n'ai pas pris parti dans ce sens-là. Bon, les idéologues français, Bernard Lévy, tout ça, bon... D'accord. Mais ça, c'était un parti déjà politique. Non. Moi, j'ai parlé, ce qui me gênait beaucoup, c'était justement
cette prise de position d'intellectuel, de solidarité à distance avec des... Et qu'il n'y avait pas à se substituer à ce qui se passait là-bas, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs, hein, de toute façon. Et moi, le jugement que je portais, c'était sur nos intellectuels, sur notre propre condition. Hein, c'est-à-dire que ce qui se passait là-bas analysait notre propre condition. Propre condition d'impuissance d'ailleurs. Hein. C'est tout un problème, celui de l'engagement, précisément, parce que est-ce qu'il y a encore des intellectuels au sens ? Bon, pour être intellectuel, il faut se voir, il faut s'accepter comme intellectuel, il faut se tendre le miroir de l'intellectuel et tout. Moi, je veux pas de ça, je veux pas du tout. Vous avez une très belle idée, un peu étrange. Vous dites que l'intellectuel doit prendre sur soi le mal et le concept du mal de son temps. Alors expliquez-moi. Ça, je pense. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, intellectuel ou pas, ce qui doit être pris en compte, oui, c'est cette espèce dont je parlais, cette espèce d'antagonisme, de duel. Où effectivement, bon, je ne dis pas que c'est la lutte du bien contre le mal au sens de Bush, hein, c'est pas ça, mais qu'il y a, un empire du bien, enfin, il y a quelque chose qui prétend, en tout cas, exercer le bien, hein, mais d'une façon dictatoriale, il faut que le bien règne partout. Je crois que, bon, la pensée, enfin, la réflexion, hein, elle ne peut plus guère prendre en compte la finalité heureuse des choses, enfin, très... C'est ça, adresser l'utopie, etc. Non, elle a à prendre cette situation qui est, elle, véritablement, une situation de désordre, de fracture, de catastrophe, peut-être, je ne sais pas, enfin bon. Il faut la prendre en compte, c'est-à-dire ne pas omettre, oublier tout ça en disant de toute façon, c'est le bien qui progresse, ça va de mieux en mieux, puisque... avec la technique, toujours plus parfait, etc. Alors, ça va de mieux en mieux d'une certaine façon, et ça va de plus en plus mal en même temps. Donc, la montée du bien amène la montée du mal. Voilà, c'est cette espèce de complicité obscure, hein, d'ambivalence totale. C'est ça dont je pense que c'est ça qu'il faut penser aujourd'hui, essayer de voir, hein, l'expliquer, tout ça c'est au-dessus de nos forces, hein, personne ne le peut. Prévoir non plus, mais au moins prendre acte de ça, hein, c'est ce que j'appelais au moins acte de lucidité. Hein. Et les seules choses qui m'intéresseraient vraiment, c'est ce nouveau type d'événement, effectivement, qui indique cette réversibilité violente des choses, alors des événements qui ne sont plus vraiment historiques. Et là, je ne vois même pas comment on peut y participer. Je veux dire, on n'est pas pour le 11 septembre, hein, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir... Mais il faut que la pensée elle-même arrive un tout petit peu à faire événement de la même façon, c'est-à-dire à créer une fracture, hein, un domaine, ouvrir un domaine secret, je ne sais pas, enfin révéler, oui, en tout cas le mal là où on ne voit que le bien, hein, et éventuellement faire le mal, s'il n'y a plus que du bien, il faut faire le mal, enfin d'une façon ou d'une autre. Après le 11 septembre, vous avez écrit un texte dans Le Monde, un texte qui s'intitule « L'esprit terroriste ». Et vous avez écrit une phrase qui a provoqué un vrai scandale en public. Vous avez écrit « C'est eux qui l'ont fait, mais c'est nous qui l'avons voulu ». Et moi, je ne sais pas du tout, je ne défends pas l'islam, etc. Ça m'est égal. Je me dis que c'est un acte, c'est un événement où se condense comme ça, se cristallise vraiment... toutes les abréactions négatives, violentes, qu'il y a en chacun de nous, quoi. Alors, ce n'est pas la peine d'aller chercher, disons, la psychanalyse, hein, ce n'est pas la pulsion de mort, ce n'est pas du tout ça. Ça veut dire que, quelque part, il y a une autre énergie, une autre force vitale, à mon avis, qui résiste à ça. Hein. Et, bon, à un moment donné, par le travers des terrorismes, à travers le terrorisme, il y a une manifestation visible et violente de cette chose-là. Et je le crois vraiment, c'était dans cet esprit-là, hein, l'esprit du terrorisme, c'était justement pas le terrorisme en soi, ni surtout le discours qu'il soutient et tout, c'est pas ça la question. Mais ça, je pense que réellement, alors on peut appeler ça le mal, mais je crois que le mal est partout, il est en chacun de nous, et que c'est pas une question de l'éliminer, il faut le faire entrer dans l'équation, dans le jeu, quoi. Il faut jouer avec ces forces du mal. Il faut les comprendre, il faut les jouer. Alors, bon, ce que j'appelle, au fond, lucidité, et pas seulement renier ça d'un seul coup en disant « ça n'existe pas », parce qu'en fait, on est toujours dans cette espèce de théologie
qui vient de très loin, qui est en fait de dire le mal, à proprement parler, n'existe pas, seul le bien existe. Dans toute cette affaire, dans tout ce bordel historique, quelle est la responsabilité des médias? Parce que vous êtes Oui, alors, les médias sont justement le médium de tout ça. Hein. Tout est saturé par les médias, de toute façon, ou même anticipé par eux. Hein, ils créent l'événement, etc. Donc, effectivement, ils ont une part de... C'est justement en créant l'événement, mais si on peut dire le faux événement, le simulacre d'événement, hein, toute l'information est une simulation. La situation n'est pas simple du tout. Elle est plus que complexe, et ça fait peut-être partie de ce principe d'ambiguïté, de réversibilité, le principe du mal aussi, quoi. Mais c'est un mal dont il n'y a plus de responsable exactement, on ne peut plus exterminer le responsable, quoi. Alors évidemment, dans ce cas-là, ce qui se développe, c'est une violence qui, en effet, frappe n'importe comment, n'importe où. Hein, parce qu'il n'y a pas de responsable, tout le monde est responsable. Mais dans la logique terroriste, c'est bien ça, c'est-à-dire on frappe n'importe qui, les innocents, comme on dit, de toute façon. Mais ça part, non pas d'une idée, ils n'ont pas fait une analyse comme ça, mais ça part quand même de quelque chose comme, dans ce monde-là, où tout s'échange et généralisé circule, nous sommes tous donc des éléments, des particules, dans un même réseau. Hein. Tout le monde fait partie de ce réseau-là. Jezik Baudrillardovih tekstova. Fluidan, fragmentaran i teorijski sofisticiran, ostaje komunikativan i nekom čudnom lucidnošću uspeva da prelazi s rečnika kapitala i rada na rečnik seksualne želje. Meša diskurse molekularne biologije i politike. Ono što je intrigantno u njegovom pisanju, bilo da je reč o filozofskim, eseističkim ili pisanim tekstovima, jeste odbacivanje klasičnih teorijskih formi korišćenjem diskretnog šarma jezika. Alors, dans tous vos textes théoriques, dans tous vos textes philosophiques, vous empruntez un langage très très poétique. Vous avez écrit même des livres assez poétiques, des cools mémoires qui sont roses, je dirais. Alors, est-ce que vous êtes au fond un écrivain philosophe ou... Oui, non, c'est-à-dire écrivain, non, parce que je connais, enfin, nous connaissons des écrivains hein, qui ne font qu'écrire, si je peux dire, qui sont du côté d'une littérature et tout. Bon, je ne suis pas non plus du côté de la littérature, hein. Il y a des idées, mais elles n'existent que par la forme qu'elles prennent, c'est vrai. Alors là, on ne peut plus dissocier, hein. Ce n'est pas de la philosophie philosophante, ce n'est pas de l'écriture littéraire non plus. C'est une forme de... Oui, moi dans le temps j'ai été aussi, enfin j'ai écrit, fait des textes poétiques, etc. Et à un moment donné, pensez qu'en effet, le langage poétique... On ne peut plus le pratiquer en tant que tel, faire écrire des poésies, des poèmes, etc., je pense. Mais qu'il faut arriver à le faire passer, le langage poétique, dans l'expression théorique, analytique, tu vois. Et c'est l'impression... je le fais, enfin, c'est ce que je fais, moi, en tout cas. Donc, dans ce sens-là, je suis aussi poète, écrivain, etc. Vous êtes très, très lu, vous êtes très renommé, vous êtes assez critiqué. Alors, comment Jean Baudrillard critique, comment est-ce qu'il analyse Jean Baudrillard, philosophe? Moi, ça ne serait pas une critique des idées elles-mêmes. Ça, c'est pas que j'en suis convaincu, hein, je n'ai pas une croyance. Je ne défends pas mes propres idées. Au fond, elles sont, c'est plutôt des hypothèses, c'est plutôt c'est une forme d'anticipation, de théorie fiction. Donc, je ne vais pas la défendre comme une formule, bien entendu. Mais je m'étais exercé à un moment donné, oui, à faire... c'est un exercice de style et mental, comme ça. Je pense qu'on peut dire exactement le contraire. Je ne l'ai pas fait, mais c'est ce que je dis. Et c'est vrai, on le peut sur des choses, quand ce concerne la réalité, en ce qui concerne tout ça. Dire tout simplement, moi-même, je ne suis qu'un simulacre. Alors ça, on me l'a dit. Hein. C'est vous ou c'est votre simulacre qui est là, quoi. Et c'est vrai, en quelque sorte, tout ça... Ça parle de la simulation, mais c'est en même temps une forme de simulation. Mais il y a la simulation, comment je dirais, moi, par défaut, c'est celle qui nous entoure partout, et j'espère, il y a une simulation par excès, c'est-à-dire on transforme en jeu, hein, et en résolution, en quelque sorte, une espèce de catharsis de la simulation. Mais il ne faut pas se faire d'illusions,
on est dans du simulacre. Le tout est de savoir s'en servir, quoi. Donc, moi-même, je ne suis qu'un simulacre. Voilà la critique que je peux faire. Optužujem sebe, što sam lukavo pomešao svoje fantazme sa stvarnošću, ili tačnije sa onom malo raspoložive stvarnosti u ovoj mediokritetskoj istorijskoj situaciji, što sam sanjao o jednom drugačijem svetu koji bi, radilo se o ženama ili pojmovima, bio svet svete prostitucije, što sam izrazito puten i melankoličan, što sam se postepeno udaljavao od stvari da sam na kraju mogao imati o njima samo jedan fantomski sud.